lecturers and topics. Okay. My name is Ignacio González. I'm the chief medical officer from a very small company inside, but very big outside. We are nearly in 73 countries already, expanding this new way of measuring stress and comfort in neonates. And I want to present Mr. Olivier, Prof. Olivier from France, who is going to be our chairman and moderator, and is going to have the first speech. Unfortunately, I think Olivier, Prof. Olivier is there. I think we miss him, unfortunately. We are having some technical issues. We were waiting for him to join, and unfortunately he was there, but unfortunately he went. I guess he will come back in a minute. Let's wait. I'm gonna email him again. Oh, this is the problem of the technology, right? Ten następny slajd zrobię normalnie, tak jak w tym, że page down albo tutaj tą strzałką, tak? Dobra. Jest. Olivier. Je crois que ça marche. Voilà. Voilà, là, finally. Bon. We were able to fight against the devils of the technology. Fantastic. Thank you very much, Prof. Olivier. Bon, j'ai changé de, I changed my PC, mon ordinateur. D'accord. Okay. Donc, je vais vous donner les paroles maintenant pour introduire ce webinaire. Merci beaucoup à tous et merci beaucoup à Prof. Olivier, à Prof. Magdalena Rukowska, à Prof. Pavel from Poland. Et je ne vais pas dire quelque chose parce que toutes les choses qu'il doit être dire, c'est vous qui les va à dire. Merci beaucoup. D'accord, très bien. Donc la parole c'est à toi. D'accord, très bien. Donc c'est parti là, là tout le monde m'entend, c'est bien ça? Ou est-ce que oui, c'est très bien, parfait. Donc bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de pouvoir participer ce soir à ce webinaire organisé par la société M. Doloris. Je remercie évidemment Ignacio González de nous avoir conviés, puis aussi Jean-Yves Nadeau qui est voilà que je connais bien, qui est sur Bordeaux. Donc je suis le professeur Olivier Brissot. Je suis le président de la séance d'une certaine manière et j'ai la chance ce soir d'être entouré de deux personnes qui vont parler aussi d'une AIP en réanimation néonatale dans des situations très particulières. Donc, de partager l'organisation de cette session, d'une part avec Magdalena Rutowska et par ailleurs avec Pavel Zivutowski, qui sont donc deux médecins qui travaillent en Pologne et qui ont dont nous avons la chance de pour les avoir entendus qu'ils parlent particulièrement bien français. Donc l'organisation de ce webinaire c'est la suivante, c'est que moi je vais commencer ma présentation et ensuite je crois que c'est Pavel qui interviendra et ensuite Magdalena. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'on avait prévu et les questions peuvent être envoyées donc au fur et à mesure des interventions et on répondra aux questions une fois que les présentations seront terminées. Voilà. Je ne sais pas si Ignacio, tu voulais rajouter quelque chose ou pas? Non, c'est bon pour moi, merci. Parfait. Et donc, pour commencer le webinaire, eh bien, là, j'ai juste à passer les diapositives, c'est tout. Les gens ont ça en plein écran pour eux? Oui. Parfait. Alors, ce qu'on m'a demandé de faire en termes de conférence introductive pour ce webinaire, c'est de parler finalement
des usages et du bénéfice d'une IP, de cet outil en réanimation néonatale. Alors, pour cela, c'est difficile de ne pas parler du contexte, et le contexte que l'on a les uns et les autres, évidemment, c'est le contexte de la prématurité. Alors, j'essaye de passer les diapositives. Voilà, le contexte de la prématurité. L'animation ne passe pas, ce n'est pas très grave, mais ce que vous devez comprendre sur cette diapositive, c'est que finalement, il y a beaucoup de prématurés dans le monde et que le pourcentage de naissances prématurées en fonction des différents pays est variable. Et vous le voyez, par exemple, qu'en Asie du Sud, sur plus de 38 millions de naissances, finalement, presque 15% de ces naissances représentent des naissances prématurées. C'est donc énorme. Et la nécessité que l'on a au milieu de la prise en charge globale des prématurés de s'occuper de la douleur est essentielle. Alors pourquoi c'est essentiel? Eh bien parce que la douleur provoquée tôt dans la vie, et notamment chez des bébés qui sont immatures, entraîne un certain nombre de risques dans le développement futur. La douleur, elle est définie comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, voilà, en réponse à une atteinte tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite en ces termes, hein, donc on comprend le caractère subjectif de cette douleur. Cette douleur n'est pas à discuter, hein, la douleur c'est la douleur, voilà, et la douleur ressentie ne se discute pas. Il faut s'attacher à comprendre cette douleur et à essayer de l'analyser le mieux possible. Et c'est d'autant plus compliqué que l'enfant est immature. Il y avait une animation là qui ne passe pas non plus, mais ce n'est pas très grave. Cette diapositive-là avait pour objectif de montrer que, d'abord, pendant très longtemps, on a considéré que les nouveau-nés n'avaient pas mal. Alors, je ne vous parle pas des prématurés, mais on considérait qu'ils n'avaient pas mal, hein, jusqu'au milieu des années 80. L'analgésie n'était pas la priorité, y compris dans les interventions chirurgicales. On pouvait faire de l'hypnose médicale, médicamenteuse, on pouvait utiliser des curares, mais l'utilisation des analgésiques n'était pas la règle. Or, on sait maintenant assez bien, sur des travaux qui datent de ces années-là, des années 90, que le bébé prématuré, évidemment, ressent la douleur, mais que, peut-être du fait de l'immaturité du système nerveux et du caractère immature du signal douleur, peut-être que le nouveau-né prématuré a plus mal qu'un nouveau-né à terme ou qu'un enfant plus grand. Donc, ça nécessite réellement d'être capable d'identifier la douleur, de l'analyser et de la traiter. Il y a quelques années, Delphine Mitanchez, qui travaille à Trousseau, a écrit ce papier qui est un papier un peu polémique, hein, un peu, voilà, c'est une punchline intéressante qui dit la réanimation néonatale, est-ce que c'est du soin finalement ou est-ce que c'est de la maltraitance? Et c'est une vraie question, puisqu'on le verra un peu plus tard dans la présentation, le nombre d'actes douloureux ou stressants qui sont appliqués chez les nouveau-nés, notamment prématurés, sont énormes, plus de 10 par jour et plus de 120 sur les 15 premiers jours. Donc, il y a une réelle interrogation à avoir sur la qualité du soin que l'on donne à ces nouveau-nés, y compris prématurés, et à quel moment donné on se situe dans une sorte de maltraitance, hein, ou de non-bienveillance vis-à-vis de ces enfants. On connaît un peu mieux aujourd'hui comment est-ce que la douleur finalement est produite au-delà de l'acte technique lui-même, hein, de la lancette par exemple, ou de la ponction veineuse, mais on sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'éléments qui interviennent dans la physiologie de la douleur chez le nouveau-né, hein, qui sont résumés, vous le voyez, dans ce petit tableau. Hein, donc il n'y a pas seulement l'action elle-même de douleur comme piqué, par exemple, mais l'environnement stressant est aussi source de douleur chez le nouveau-né, notamment prématuré. Et chez le nouveau-né prématuré, de fait de l'immaturité de son système nerveux, on suppose, pas très évident à montrer, mais on suppose qu'il existe un continuum où peut-être parfois sont confondus le stress et la douleur. Donc avoir un outil qui est capable d'identifier finalement le stress et la douleur est intéressant, bien évidemment. Les conséquences des soins douloureux chez les nouveau-nés, deux diapositives rapidement pour montrer que les études ont mis en évidence que
dans le développement précoce et dans le développement tardif de ces enfants nés très prématurés auxquels on applique des soins douloureux ou stressants, eh bien, on avait des conséquences sur le développement staturopondéral postnatal, sur des critères neurologiques d'éveil, d'attention chez ces nouveau-nés, hein, des signes de retrait clinique, avec donc peut-être une altération de l'organisation et du développement cérébral. Et puis plus tard, en utilisant des scores d'évaluation neuropsychologiques, on retrouvait un retard de développement cognitif à des âges de 8 mois, de 18 mois. Et ce qui était intéressant, c'est que ces études montraient que ces retards de développement étaient évidemment pondérés, améliorés ou aggravés par la posture parentale. Donc on perçoit bien là le cercle vicieux qu'il peut y avoir entre la posture parentale stressante vis-à-vis de l'enfant, mais qui elle-même est stressée vis-à-vis des soins qui sont apportés à ce bébé, les conditions elles-mêmes de situation dans laquelle se trouvent les parents d'une naissance prématurée. Donc la part propre des parents est également importante dans le développement de ce stress post-traumatique, hein, pour l'identifier comme ça chez les nouveau-nés grands prématurés. Là encore, vous voyez sur cette diapositive comment finalement l'expérimentation de la douleur chez les nouveau-nés peut se transformer ultérieurement dans la vie en des douleurs qui peuvent être récurrentes ou persistantes, une tolérance à la douleur qui va être variable. Alors, c'est aussi très intéressant de voir que dans la petite enfance, on peut avoir une tolérance à la douleur ou une appréhension à la douleur qui est plus grande, et que chez les adolescents, à une certaine période de leur vie, on peut avoir une espèce de détachement vis-à-vis de la douleur, mais que je ne considérerais pas comme un gain de la douleur provoquée dans la naissance, dans la période néonatale. Au contraire, je pense qu'il faut interpréter cette perte d'intolérance à la douleur comme un signe plutôt négatif dans la période de l'adolescence. Et évidemment, viennent se greffer sur ces éléments-là de développement d'un syndrome post-traumatique douloureux chez les enfants, des éléments biologiques et des éléments psychosociaux. Et ces éléments psychosociaux, ils vont être liés évidemment pas uniquement aux parents, mais aussi à l'environnement, mais aussi à l'expérience qu'ont vécu les parents de la douleur provoquée chez leur enfant. Vous percevez bien là tous les tenants et les aboutissants de ces éléments. Ça a même été plus loin, parce qu'il y a des études qui ont montré qu'il y avait une altération physique des organes intracérébraux, hein, comme les zones thalamiques par exemple. Et donc dans cette étude-là, les chercheurs ont montré finalement que l'expérimentation de la douleur chez les nouveau-nés, notamment prématurés, et les plus petits avec des douleurs le plus précocement fait, entraînait finalement à terme, lorsqu'on contrôlait les IRM, une altération de la structure cérébrale au niveau des thalamies, avec une latéralisation, vous voyez là, des anomalies. Et ça, c'est important. Alors, on ne peut pas dire à partir de ces études-là qu'on explique ce qui se passe plus tard, mais il y a bien un impact de la douleur provoquée chez les nouveau-nés petits, les plus petits d'entre eux, les plus immatures d'entre eux, et que cet impact a un impact qui se traduit sur une altération des structures cérébrales. On a du mal à penser donc qu'il n'y a pas une altération fonctionnelle. Alors évidemment, on s'adresse à des cerveaux dont on pourrait supposer qu'il existe une certaine plasticité. C'est peut-être là-dessus qu'il faut compter d'ailleurs, mais on ne peut pas aujourd'hui montrer que cette plasticité s'applique dans ces zones spécifiques qui ont été altérées par la douleur, les actes douloureux ou stressants. L'évaluation de la douleur chez le nouveau-né, alors je sais que Magdalena va en parler de manière un petit peu plus détaillée, donc je ne m'étends pas là-dessus, mais on a beaucoup de scores, d'échelles, voilà, comportementales, qui nécessitent donc d'observer les bébés. Alors là, vous me trouverez toujours sur votre chemin pour vous dire qu'il faut absolument observer les bébés. Mais parmi toutes ces échelles comportementales, peu finalement sont validées avec des études solides, randomisées, contrôlées, qui permettent voilà, de dire cette échelle-là est une échelle suffisamment solide. Alors ça pose une difficulté malgré tout. Pourquoi ? Parce que quand on essaye de valider d'autres éléments d'observation de la douleur, eh bien, comme gold standard,
nous n'avons pas autre chose que ces échelles comportementales. Donc, il faut bien choisir les échelles comportementales pour pouvoir comparer. Alors, notamment dans ces échelles comportementales, la douleur aiguë du nourrisson est une échelle qui a été bien validée. Et puis, la Neonatal Facial Coding System est aussi une échelle qui a été bien validée. Mais on comprend bien la variabilité inter-individuelle et même intra-individuelle de l'observateur vis-à-vis de ces échelles-là. Alors, on se sert des outils que l'on a. Il ne faut surtout pas entendre dans mon propos que ces échelles de douleur ne sont pas bonnes. Elles sont excellentes, mais il faut en connaître les limites. Et donc, développer un outil qui serait plus axé sur une valeur objective de la douleur, eh bien, ça serait intéressant. Alors, c'est de ça dont on va parler là, c'est-à-dire quels sont les autres outils que l'on pourrait utiliser qui permettraient de s'affranchir d'un caractère trop important de variabilité intra- ou inter-individuelle. Alors, d'autres outils ont été développés. Hein. On va parler évidemment de la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est l'objet de notre travail aujourd'hui et de notre échange. Mais la conductance cutanée a montré des choses intéressantes. Il y a des travaux aujourd'hui sur l'activité cérébrale via la NIRS ou l'électroencéphalogramme. Et puis, des outils récents de biomarqueurs, notamment comme le cortisol ou les marqueurs du stress oxydatif, ont été explorés. Il y a même des correspondances qui ont été faites entre les échelles comportementales et la conductance, par exemple, ou la variabilité de la fréquence cardiaque et le dosage du cortisol en période néonatale en fonction, par exemple, du type d'accouchement. Donc, les choses, effectivement, existent. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est gêné pour trouver un gold standard pour comparer, finalement, un nouvel élément à un élément plus ancien qui serait validé. Alors, sur la variabilité du rythme cardiaque, c'est un champ évidemment extrêmement intéressant. On sait que cette variabilité du rythme cardiaque n'est évidemment pas la même chose que le rythme cardiaque lui-même, hein, ce n'est pas du tout la même analyse, que ce rythme cardiaque est influencé chez le nouveau-né par un certain nombre d'éléments génétiques d'âge gestationnel et d'âge postnatal, et que les prématurés, c'est ça qui va être passionnant pour nous, c'est que les prématurés ont une variabilité de la fréquence cardiaque qui est diminuée dans les premiers jours de vie et que cette variabilité de la fréquence cardiaque, sa dominante principale se situe dans les basses fréquences, hein, low frequency, qui est sous contrôle de l'activité parasympathique et sympathique. Alors que les variabilités de la fréquence cardiaque dans les hautes fréquences, high frequency, elle est plutôt sous le contrôle de l'activité parasympathique. Alors c'est très intéressant parce que ce qui va guider finalement la recherche aujourd'hui dans la détermination d'éléments pouvant évaluer la douleur à travers l'analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est d'essayer de dégager cette partie en rapport avec le contrôle parasympathique, donc dans des hautes fréquences de variabilité. Alors vous le voyez, hein, ces variabilités vont augmenter de manière très très importante dans les premiers jours de vie, hein, multipliées quasiment par deux. Alors qu'est-ce que ça signifie finalement pour l'enfant prématuré que cette variabilité est moins forte ? Ben, ça signifie qu'il y a une immaturité du système nerveux autonome, à la fois sympathique et parasympathique. Donc que s'il y a une immaturité, on pourrait imaginer de ce fait que finalement cette diminution de variabilité de la fréquence cardiaque dans les hautes fréquences est en lien avec une diminution du tonus parasympathique et ça se traduit du fait de l'implication du système parasympathique dans la gestion de la douleur par une douleur qui serait plus importante avec un inconfort plus grand ou un stress plus important. Ça c'est le travail élémentaire finalement qui permet aujourd'hui de dire la variabilité de la fréquence cardiaque a un intérêt dans son exploration pour identifier la douleur des enfants grand préma. Alors les travaux de Duc Patural de Saint-Étienne ont été au milieu des années 2000 et à la fin des années 2000 très axés là-dessus. Regardez, alors pas exactement par la même méthode que le NAIP dont on va parler l'a fait, mais il a regardé la variabilité de la fréquence cardiaque des enfants en fonction de l'âge gestationnel, avec, vous le voyez, parfois des N qui sont relativement faibles, hein, mais il a observé cette variabilité de la fréquence cardiaque dans les hautes fréquences, hein, c'est-à-dire au-dessus de 0,15 Hz, et il a montré, vous le voyez sur les deux schémas, qu'effectivement, il y avait un effondrement
de cette variabilité de la fréquence cardiaque dans les autres fréquences, donc un effondrement du contrôle parasympathique qui est lui-même lié plutôt au confort de l'enfant et à un état non douloureux, et que donc cette variabilité était très effondrée chez les enfants les plus petits. Donc ça renvoie encore à cette idée que l'attention doit être portée sur le fait que les enfants très grands prématurés sont probablement des sujets à être plus douloureux que les autres, et que tous les... Et alors c'est la double peine pour eux, puisque les actes techniques et douloureux qui y sont appliqués sont extrêmement nombreux. Qu'est-ce qui va conditionner la modification du tonus parasympathique chez ces enfants? Ben, vous le voyez, évidemment, la maturation du système nerveux autonome, c'est cette augmentation de la variabilité de la fréquence cardiaque dans les premiers jours de vie. Voilà. Et plusieurs études ont montré que, finalement, l'application soit de soins de développement, soit de soins kangourous, de peau à peau, etc., permettent d'améliorer la variabilité de la fréquence cardiaque dans les hautes fréquences. Donc, d'augmenter le tonus parasympathique et donc d'augmenter le confort de l'enfant ou de diminuer sa douleur. Et par contre, ce tonus parasympathique chez le nouveau-né, notamment prématuré, il s'effondre avec la prématurité, l'hypotrophie, le comportement ou les influences maternelles ou parentales. Et ça a été bien montré chez l'adulte que les situations de peur, de douleur, d'anxiété diminuaient de façon importante ce tonus parasympathique. Alors, geste douloureux en néonatologie, je ne vais pas m'étendre dessus, mais vous le savez tous que les nouveau-nés, notamment ceux qui sont hospitalisés en unité de surveillance continue ou en unité de soins intensifs néonataux, sont très exposés aux gestes douloureux de tout type. Voilà. Et ne sont pas notés là-dessus, c'est les gestes qui ne sont pas seulement douloureux, mais qui vont être stressants. Hein. Alors, l'ouverture brutale des portes d'incubateur, le bruit à l'intérieur des pièces, etc. Et tout ça, évidemment, ça doit être intégré dans notre travail du quotidien. Mais on observe de façon récurrente le fait qu'il n'existe pas uniquement des gestes douloureux, mais il existe aussi des situations stressantes, et que ces situations stressantes vont altérer le tonus parasympathique chez les nouveau-nés. Ça, c'est évidemment un travail que beaucoup de gens connaissent, publié dans JAMA en 2008 à partir de l'étude d'Epic Pain par Ricardo Carbajal. Vous voyez ici le nombre de procédures dans les 14 premiers jours, procédures douloureuses réalisées chez les nouveau-nés. Et effectivement, vous voyez que, alors en fonction de l'âge gestationnel, hein, vous voyez que pour les plus petits d'entre eux, 26-27 semaines, on a en moyenne hein, jusqu'à 140 à 150 actes douloureux dans les 15 premiers jours. C'est énorme. Et malgré la mise en place de soins de développement, et même si cette étude date d'il y a maintenant plus de 10 ans, eh bien, on continue, on le sait, on le voit dans nos services. On continue à avoir beaucoup, beaucoup d'actes douloureux dont on peut s'interroger de temps à autre sur l'intérêt, hein, puisque quel acte médical ou infirmier est posé après chaque acte douloureux. Ça, c'est une étude difficile à faire, mais qui mériterait d'être faite, parce qu'elle montrerait sans doute qu'on peut limiter les actes douloureux. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé finalement à développer un outil qui a permis, à partir de la variabilité de la fréquence cardiaque chez les nouveau-nés, obtenir finalement une évaluation du tonus parasympathique et de transformer ça en une valeur numérique qui permettait d'identifier finalement le seuil, l'intensité de la douleur? C'est ce qu'on va regarder rapidement. Donc, dans le milieu des années 90, la douleur étant un signe tellement commun finalement dans les consultations à la fois adultes et pédiatriques, puisque jusqu'à 80% des consultations concernaient la douleur, il a été évoqué que cette douleur était un cinquième signe vital pour les êtres humains. Et donc, les task forces ont édité aussi des réglementations générales, des guidelines, qui identifiaient le fait que la variabilité du rythme cardiaque elle-même
traduction du tonus du système nerveux autonome était en très grande partie liée à l'activité vagale, donc liée au système nerveux autonome. Alors comment ça fonctionne en fait? La variabilité de la fréquence cardiaque, c'est, je vous le disais, indépendant et différent de la fréquence cardiaque elle-même. On identifie des variabilités qui vont être soit dans des fréquences basses, vous voyez, toutes les secondes, soit des fréquences hautes, c'est-à-dire une variabilité beaucoup plus importante. Cette variabilité de fréquence haute, finalement, elle peut être comprimée, condensée en fonction de l'inspiration et de l'expiration. Donc, c'est ce que vous voyez sur le petit diagramme d'en bas. Hein, voilà, à chaque inspiration, on a une diminution, à chaque expiration, on a une augmentation. Cette transformation-là en série de RR bidimensionnelle dans le tableau, elle va être transformée de façon spectrale. Donc, vous voyez ici, on prend cette transformation de série RR et on la transforme sous forme de spectre de très basse, basse et haute fréquence. Et on ne va conserver pour l'analyse finalement de l'implication parasympathique dans la variabilité de la fréquence cardiaque que les hautes fréquences, donc celles qui sont au-delà de 0,15 Hz. Donc, ces hautes fréquences sont extraites et puis de nouveau, elles vont être normalisées et filtrées pour obtenir, vous le voyez, sur une durée relativement courte de 64 secondes, cette variabilité. Et on va séparer ce temps-là en quatre temps identiques pour lesquels on va explorer des aires, hein, les aires A1, A2, A3, A4, qui sont des aires de variabilité de la fréquence cardiaque dans les hautes fréquences. Et on va, pour pouvoir transformer ces aires en une valeur numérique, il faut faire une transformation mathématique. Alors ne me demandez pas de vous expliquer comment on est passé des 4 aires différentes à une formule où on multipliait 100 par 5,1 sur l'aire sous la courbe minimale plus 1,2, le tout divisé par 12,8. Il y a une explication mathématique que les gens de Lille pourraient vous expliquer parce qu'ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Mais grâce à cette interpolation mathématique, on a pu transformer finalement ces aires sous la courbe en une valeur numérique mesuré entre 0 et 100, 0 étant la valeur la plus basse et 100 la valeur la plus haute, et avec une définition de la douleur en dessous d'un seuil à 50. Donc, et ces études ont été corroborées a posteriori, c'est-à-dire qu'on a exploré a posteriori les aires sous la courbe avec une valeur nominale de 50 pour le NAIP, et on a montré effectivement, en comparant le NAIP au DAN, ou à l'EDIN, ou à la conductance cutanée, que cette valeur de 50 était une bonne valeur pour distinguer les patients qui étaient douloureux de ceux qui ne l'étaient pas. Donc le moniteur NAIP, comme il est présenté là, finalement, il permet avec cette interpolation de faire un certain nombre de choses. La première, c'est d'avoir une valeur immédiate, qui correspond à la moyenne des deux dernières minutes, d'avoir une valeur qui est une valeur plutôt moyennée, qui elle correspond à la valeur sur 20 minutes. L'outil, le moniteur peut nous donner une tendance de NAIP, c'est la courbe, et puis on attrape toutes ces informations-là grâce à l'ECG et à la variabilité de cette ECG. Et l'intérêt du moniteur, c'est que c'est un moniteur totalement non invasif puisqu'il récupère le signal analogique de l'ECG de façon à mettre ce signal analogique dans un algorithme. Et cet algorithme, comme vous l'avez compris, de façon relativement compliquée, mais avec une traduction très simple, va donner une valeur numérique. Une fois que cet outil a été, validé, il a fallu essayer de confirmer que l'outil était effectivement juste. Alors, vous le voyez, ça, c'est les travaux, évidemment, de l'équipe illoise qui a à la fois participer au développement mais à la validation a posteriori de l'outil. Ce que vous observez là, c'est que lorsqu'on regarde, là vous le voyez, c'est des échantillons de variabilité à gauche, de variabilité de la fréquence cardiaque dans les hautes fréquences, et en fonction d'un EDIN qui est relativement bas, c'est-à-dire d'un patient qui n'est pas douloureux, ou d'un EDIN qui est relativement haut 7, c'est-à-dire un patient qui est douloureux, vous voyez, il n'y a pas besoin d'être savant pour observer une diminution drastique de la variabilité, hein, parce que ce qu'on voit là, le tracé, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque dans les hautes fréquences. Alors, ils ont traduit ça sur des boîtes à moustache à droite qui montrent effectivement
les valeurs non, chez les patients non douloureux et les valeurs chez les patients douloureux. Et puis, ils ont fait une corrélation de Pearson simple pour montrer effectivement qu'il y avait un R qui était à 0,7 avec une significativité très grande, hein, de correspondance entre la valeur de variabilité de la fréquence cardiaque dans les hautes fréquences et les DIN scores dans cette étude. Une autre étude qui a là aussi été très intéressante sur est-ce que se modifie la variabilité de la fréquence cardiaque dans les hautes fréquences, c'est-à-dire est-ce qu'on modifie le tonus parasympathique, est-ce qu'on augmente le tonus parasympathique en faisant du cocooning chez les enfants associé à de la lecture. Eh bien oui, cette étude montre qu'effectivement on voit de façon significative l'augmentation de la variabilité, vous le voyez sur le petit schéma de gauche, on revoit encore une fois sur le schéma d'en bas une très faible variabilité, puis sur le schéma d'en haut une très forte variabilité, et donc ça correspond effectivement à sur la partie haute le cocooning et sur la partie basse pas de cocooning ni de lecture. Eh bien, lorsque l'on observe ça, on peut même montrer que quand c'est une tierce personne, finalement, la significativité est moins grande encore que si c'est fait par la mère. Donc ça, c'est des études qui permettent à la fois de valider le fait que le NAIPE correspond à un état de confort ou de douleur chez l'enfant, mais par cette étude, on montre aussi ce qui est évident pour chacun, mais qui est montré là de façon numérique, si j'ose dire, c'est que l'intervention de la mère, évidemment, a une force plus grande que l'intervention d'une tierce personne, qui en l'occurrence, là, correspondait à des soignants. Une autre étude très intéressante, là, sur le pot à peau, qui finalement montre que le NAIPE est un outil qui se sensibilise. C'est-à-dire que finalement, lorsqu'on est là, est-ce qu'on augmente le tonus parasympathique chez les enfants chez qui on fait du pot à pot? Autrement dit, est-ce qu'on augmente la valeur de NAIPE? Oui, on augmente la valeur de NAIPE, mais à condition que le patient soit dans une situation inconfortable. Si le patient est dans une situation confortable, c'est-à-dire avec un NAIPE supérieur à 57, en l'occurrence là, le seuil de coupure était à 57, alors on ne voit pas d'effet significatif de l'augmentation du NAIPE. Par contre, si on est en dessous de 57, ce qu'on pourrait considérer comme presque la limite de la douleur. Alors oui, on observe un effet positif du pot à pot. Alors ça, c'est vachement intéressant parce qu'on va le retrouver en conclusion de cette présentation, c'est qu'il y a quand même quelque chose à explorer sur la significativité du chiffre à l'intérieur de la fourchette. Hein, c'est-à-dire, au-dessus de 50, on considère que le patient n'est pas douloureux, en dessous de 50, on considère qu'il est douloureux, et finalement, quand on passe de 75 à 65, est-ce qu'on a perdu du confort ou pas? Et quand on passe de 55 à 75, est-ce qu'on a gagné du confort ou pas? Puisque la limite étant à 50, et ça, c'est une question à laquelle on n'a pour l'instant pas clairement répondu. Une autre étude là, pour montrer que effectivement, lorsqu'on utilisait le NAIPE comme un outil d'évaluation en anesthésie, eh bien, ce NAIPE était performant. Et là encore, effectivement, il est performant pour les patients qui sont douloureux. Donc, on sensibilise finalement l'outil. Là, c'est une étude qui montrait finalement que quand on avait des patients qui étaient en dessous de 50 de NAIPE et qu'on utilisait des morphiniques, eh bien, ces morphiniques étaient d'autant plus efficaces qu'ils étaient utilisés chez les patients qui étaient les plus douloureux. Alors, ça peut paraître comme ça, évident, plus on est douloureux, plus on a besoin de morphiniques, peut-être, mais là, ça montre effectivement que en utilisant les morphiniques, on corrige la douleur et on remonte au-dessus du seuil de 50. Et là, encore une autre étude sur des enfants qui ont été intubés pour pneumothorax. Donc, c'est un petit effectif, hein, une trentaine de patients seulement. Mais il y a une corrélation qui a été faite entre l'EDIN et le NAIPE sur la douleur provoquée par l'intubation elle-même et à distance de l'intubation. Il y avait une corrélation, voilà, inverse, évidemment, hein, par rapport au NAIPE, entre la valeur de l'EDIN et la diminution de l'EDIN et l'augmentation du NAIPE. Donc là encore, une étude qui montrait que on pouvait utiliser le NAIPE en correspondance avec l'EDIN, ce qui est intéressant. À Bordeaux, le docteur Ross, qui est praticien hospitalier chez nous, a fait un travail lorsqu'elle était chef de clinique, et elle a récupéré finalement les valeurs de DAN, donc de douleur aiguë du nouveau-né, et de NAIPE chez les patients chez qui on mettait des cathéters épicutanés aux caves. Et elle a observé les NAIPE instantanés et les scores de l'échelle de DAN, en étant évidemment en aveugle du NAIPE.
Alors cette étude qui est une étude pilote a permis quand même de mettre en évidence, alors là vous ne le voyez pas en correspondance avec l'EDIN, mais en correspondance avec le DAN, a permis de montrer effectivement qu'il y avait une réelle correspondance, inversement correspondante on pourrait dire, entre la valeur d'une IP et la valeur du DAN. Et que ça, cette étude-là, permet pour nous de valider l'utilisation d'une IP, même dans la douleur aiguë. Et c'est important parce que lorsqu'on utilise des échelles d'hétéroévaluation, comme l'échelle de DAN ou d'EDIN, on n'explore pas exactement la même chose. La douleur et l'inconfort et la douleur aiguë ne sont pas tout à fait deux éléments superposables. Et donc, cette étude nous a permis de montrer que le IP était aussi corrélé à la valeur du DAN. Évidemment, dans le service, on continue d'utiliser hein, le NIP en complément de ces échelles. Là encore, pour terminer, une autre étude qui a montré l'importance de l'utilisation du NIP dans la prise en charge des patients qui, là, pour le coup, étaient non anesthésiés, hein, pour lesquels on faisait des actes douloureux. Cette étude a été faite par des gens qui ont classé finalement les patients en fonction de la valeur de la douleur, hein, c'est-à-dire pas de douleur ou douleur très modérée, très faible, une douleur modérée puis une douleur sévère. Et cette étude a montré que la variation d'une IP était d'autant plus importante que la douleur était forte. Et donc là encore, ce n'est pas seulement une évaluation de la douleur qu'on a avec le NIP, mais c'est une évaluation de la profondeur de la douleur. Donc ça, c'est très intéressant pour nous de pouvoir l'explorer de cette façon-là. Donc, pour terminer cette présentation et ouvrir finalement le champ des questions que l'on pourra évoquer avec vous en fin de webinaire, oui, évidemment, si on me demande moi de parler du NIP, c'est que je suis plutôt un partisan de cet outil. Mais en même temps, je suis capable de l'observer à sa place. Et ça, c'est aussi important que je vous le dise, c'est la diapositive d'après sur les perspectives. Mais il a quand même beaucoup d'avantages. Un, il est non-invasif, et ça, c'est essentiel pour nous, notamment chez les grands prématurés. On a vu qu'il était corrélé avec les échelles de douleur et d'inconfort. Alors, oui, certains papiers qui sortent remettent en question la caractéristique de corrélation. Ce qu'on observe dans le quotidien, c'est qu'effectivement, les patients qui sont douloureux ont des NIP qui sont bas. Et ça, c'est une expérience clinique quotidienne. On a des données qui sont en temps réel, et c'est important. On le voit d'ailleurs, l'importance d'avoir une observation en temps réel nous permet de ne pas rater le moment où on va faire de l'analgésie. Parce que si on fait de l'analgésie trop tardivement, on est passé après l'événement douloureux. Et donc, c'est très intéressant d'avoir un temps d'observation d'une NIP avant le geste douloureux et au moment où le geste douloureux est fait pour pouvoir anticiper cela. On a une objectivité de la mesure, évidemment. Là, pour le coup, on n'est pas confronté à la variabilité inter-individuelle ou intra-individuelle. Ça fait partie de notre travail. Cette variabilité est encore plus forte quand on est dans l'observation et l'hétéro-observation. Et puis, c'est une aide à la décision parce qu'effectivement, aujourd'hui, je dois avouer qu'à Bordeaux, dans notre unité, on utilise le NIP de façon régulière et que ça nous aide à améliorer la prise en charge des patients. Alors évidemment, ça ouvre un certain nombre de questions quand même. J'en ai deux essentielles pour moi qui sont est-ce que la douleur est mesurée par le NIP ou est-ce que c'est l'inconfort ou est-ce que c'est les deux mélangés? J'ai envie de dire chez le grand prématuré, compte tenu de l'immaturité du système nerveux autonome, on serait peut-être tenté de dire que finalement, au fond, peu importe si on explore l'un ou l'autre, puisqu'ils peuvent être mélangés, mais c'est quand même une vraie question. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire la variabilité intra-individuelle, mais pour celui qui est mesuré, pas pour ceux qui mesurent par les échelles d'hétéroévaluation, finalement, qu'est-ce qui se passe quand on passe de 75 à 60 est-ce qu'on a amélioré ou pas est-ce qu'on a plutôt dégradé ou pas la douleur chez l'enfant? Est-ce que l'enfant est plus douloureux ou plus inconfortable alors qu'il est au-dessus du seuil de douleur? Et probablement qu'il existe quand même une variabilité intra-individuelle, voilà, de cet outil. Et dans le même sens, hein, est-ce que lorsque on passe de 40 à 50, alors qu'on n'a pas encore franchi le seuil de douleur, est-ce qu'on a amélioré suffisamment ou pas l'inconfort du patient? Ça, c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse.
Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Je sais qu'Ignacio est aux commandes pour piloter les différentes questions qui pourraient être proposées. Et je vais maintenant passer la parole à Magdalena, qui va nous parler de l'utilisation du NIPE, notamment dans les situations de soins palliatifs chez les nouveau-nés. Magdalena, c'est à toi. Możecie mi pokazać tą prezentację? Bonjour à tout le monde. I teraz to. Dobra. Ok. Voilà. Bonjour à tout le monde. Je voudrais surtout remercier toute l'équipe de MDoloris qui nous a invités et nous a proposé de partager avec vous nos expériences avec l'utilisation de NIPE. Merci beaucoup à Monsieur Brisseau qui a fait une super résumé de tout ce qu'on a pensé à dire. Alors c'est vrai qu'il y a quand même plusieurs diapos où on a pensé de parler à peu près des mêmes choses. Alors, je vais essayer quand même de parler plus de l'expérience dans la situation de soins palliatifs et l'accompagnement de la fin de vie. Excusez-moi pour toutes les fautes de grammaire, etc. C'est quand même pas ma langue de naissance. J'essaye de parler le français comme je peux. Alors, excusez-moi aussi sur les fautes d'orthographe s'il existe dans mes diapos. Voilà, alors, coś tu nie przechodzi? Nie. To muszę tu, tak? Okej. Alors, Monsieur Brissot a déjà parlé que le douleur en période néonatale est déjà montré depuis plusieurs années qu'il existe très tôt, pratiquement dès de 10 semaines d'âge gestationnel. Il y a les neurotransmetteurs déjà qu'on peut examiner, mais il y a aussi, il faut dire aussi que l'enfant qui naît très prématurément, alors à 22, 24, 25 semaines, il y a encore les neurotransmetteurs type par exemple la dopamine ou norepinéphrine qui n'existe pas encore, qui se développe surtout à la fin de la grossesse. Tout ça montre la spécificité de la douleur en période néonatale, c'est-à-dire que d'un côté, les nouveau-nés ont des structures responsables des sentiments de la douleur qui est bien développée. Alors, c'est sûr que l'enfant, même très grand prématuré, sent douleur, et comme Monsieur Brissot a dit, même peut-être plus que les enfants nés à terme. Par contre, il n'y a pas encore le système de la défense contre la douleur. Alors, c'est à nous à voir, c'est à nous à examiner, c'est à nous à penser, et c'est à nous à évaluer ce qu'on fait aux enfants. Et, comme on a dit, il y a beaucoup de gestes douloureux chez les enfants. Qu'est-ce qu'on peut faire, et surtout beaucoup penser à ça. Il y a, comme vous savez, plusieurs échelles d'évaluation en France. C'est surtout ce qui était démontré, deux échelles d'évaluation, alors de douleur aiguë, surtout d'âne, et de douleur d'inconfort et de douleur moins aiguë, édine. C'est vrai que dans les pays anglo-saxons, en Pologne aussi, on utilise plus les échelles de douleur confort pour le nouveau-né sous influence de la sédation analgésie. Et chez les enfants sans sédation analgésie, c'est plutôt les échelles de douleur de NIPS. Mais alors, c'est pas vraiment l'importance quel type d'échelle on utilise. Je pense qu'il est la chose qui est très importante, c'est absolument décider quelle échelle de douleur on met en route dans chaque de nos services, et surtout pas de ne pas oublier de les utiliser, et que tout le monde utilise le même type d'échelle de douleur, parce que c'est seulement comme ça qu'on peut vraiment le comparer et de le mettre en route en pratique.
Mais dans les échelles de douleur, il y a bien sûr les limites. C'est surtout c'est une l'évaluation ponctuelle. Il n'y a pas de possibilité de continuité d'observation. Ça demande du temps. Alors de temps en temps, c'est vrai que c'est difficile de le trouver. Ça demande aussi une évaluation par deux personnes indépendantes. Le plus souvent, on demande de faire cette échelle de douleur par le médecin traitant. Ou par le médecin qui, par exemple, le médecin de garde qui connaît moins d'enfants, mais peut-être qui peut voir plus de choses par rapport à quelqu'un qui le voit quotidiennement. Et la même chose pour les infirmières. On demande le plus souvent de faire une échelle de douleur minimum une ou deux fois par 12 heures de travail par infirmière. Et souvent, on demande d'un côté une infirmière qui s'occupe de 7 jours pour cet enfant, et d'autre côté une infirmière qui le connaît mieux. Mais malgré tout ça, c'est quand même une évaluation subjective. Et bien sûr, il y a les variabilités importantes de résultats en fonction de l'observateur. Tout ça, c'est pas dit, comme Monsieur Brissot a très bien souligné, qu'il faut toujours penser à le faire malgré toutes ces limites dont j'ai parlé. Alors, en tout ça, bien sûr, il y a l'appareil NIPE qui est venu il y a quelques années. Je n'ai pas parlé de cet appareil parce que M. Brasseur a tout dit. Je voudrais seulement souligner deux choses, que finalement, il était commencé cette utilisation chez les enfants, chez les nouveau-nés, surtout en période opératoire et post-opératoire. Après, il y avait l'évaluation de bien-être du patient pendant la stimulation des soins. Et c'est là, c'est vrai que cet appareil nous a beaucoup aidé dans toute cette l'évaluation de confort du nouveau-né pendant les procédures douloureuses. Comme on a dit, 10 ou 20 fois par jour et 150 pendant 2 semaines. Ça me fait toujours très mal au cœur quand je pense à tous ces tous ces actes douloureux qu'il faut qu'on fasse aux enfants. C'est vrai que les dernières années, ça a aussi beaucoup changé parce que, par exemple, on a maintenant beaucoup moins d'enfants intubés ventilés, beaucoup plus des enfants sous CPAP. Alors, on a beaucoup moins, par exemple, d'installations de drainage thoracique par le pneumothorax. Maintenant, c'est très rare. On a beaucoup amélioré, par exemple, le prélèvement capillaire ou la ponction veineuse ou artérielle, surtout parce qu'on a beaucoup de possibilités de faire le prélèvement avec beaucoup moins de sang, avec beaucoup plus de possibilités d'examiner plusieurs de choses. Mais c'est vrai que de temps en temps, on oublie, est-ce que vraiment faut-il faire tel type d'examen à cet enfant. Alors ça, je trouve aussi que c'est très, très important de penser à chaque acte douloureux. Est-ce que cet enfant a vraiment besoin de cet acte et combien de fois il faut le répéter par jour? Ça, on montre nos quotidiennes. Alors, exemple de piquer, par exemple, les artères pour poser, pour bien mesurer la tension. Poser notre voix d'abord pour quelques semaines pour bien alimenter l'enfant par alimentation parentérale. Et bien sûr, très souvent, on met le voix d'abord pour donner, par exemple, les antibiotiques. Alors, NIPE, ça, Monsieur Brissot a déjà beaucoup parlé, alors je vais passer à côté. Par contre, je résume quand même toutes les études de recherche qui étaient faites en NIPE. Alors, une côté par une douleur prolongée. Alors, par exemple, chez les enfants post-opératoires ou pendant l'accouchement instrumental, une douleur aiguë. Alors, il y avait par exemple les études où on a offert aux enfants le saccharose pendant la ponction des talons. On a mesuré le douleur.
ou la réponse elle-même dans le ponction des talons. Inconfort et confort, ça, je suis absolument d'accord avec avec Monsieur Brisson, que moi, je me pose aussi la question entre les deux. Alors, inconfort, c'était beaucoup. Il y avait les études aussi, si les enfants positionnaient sur le CPAP ou quand on a changé la position, et les études que Monsieur Brisson a montrées, alors positionnement en nid avec la lecture ou kangourou. Alors, utilisation de cet appareil en période néonatale, Monsieur Brisson a déjà cité ces deux études. Cette dernière étude s'était faite en Pologne. C'était les études pilotes qu'on fait maintenant dans beaucoup plus, pour avoir beaucoup plus de cas des enfants. Je trouve, comme vous avez dit, que ça donnait quand même les résultats assez intéressants. Alors, en avoir quand même quelques années d'expérience dans l'utilisation de Naiper, un jour, je me suis posé la question, est-ce que on ne veut pas utiliser cet appareil dans le soin palliatif? Pourquoi? Parce que c'est vrai, quand on discute avec les parents au moment quand la décision est faite pour mettre l'enfant sur le soin palliatif, le plus souvent, la première phrase que les parents sortent, est-ce que mon enfant ne va pas souffrir? Alors, j'ai essayé de voir la littérature et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas trouvé les études, l'utilisation de Naiper en soins palliatifs chez les nouveau-nés. Il y a deux études seulement qui étaient faites, ça peut pas dire les études, parce que le premier article que je vous cite ici, c'est à propos d'une femme âgée de 80 ans qui a eu le problème de cancer où il y avait la décision prise de mettre cette dame en soins palliatifs. Dans le deuxième article de même service, il y avait autour de trentaine de personnes où on a utilisé cet appareil en soins palliatifs pour mesurer la douleur et confort de ces adultes. Alors, ma question était, est-elle possible d'utiliser cet appareil dans les soins palliatifs chez les nouveau-nés. Pour vous parler de notre premier cas où j'ai utilisé, il faut quand même que je dise quelques mots pour quel enfant on peut à quel enfant on peut penser. On n'a pas en Pologne comme chez vous le loi Leonetti de la fin de vie. Il fallait le préparer. On n'a pas encore le loi comme vous. Alors pour l'instant, on a créé un groupe depuis quelques années, un groupe d'éthique, mélange de médecins néonatologues, anesthésistes, gynécologues, mais aussi les psychologues et les philosophes. Et on a écrit un standard, le règle de prise en décision de la mise en œuvre de soins palliatifs en néonatologie. On a finalement trouvé quatre groupes de l'enfant, de nouveau-né où on peut penser à ça. C'est l'extrême prématurité, les maladies présumées létales type trisomie 13 ou trisomie 18, les malformations dont le pronostic est sombre. Et la quatrième groupe, c'est les situations de non-poursuite de réanimation néonatale. Et ici, on peut parler, par exemple, de grands prématurés dont l'évolution est marquée par une survenue de complications neurologiques graves, type hémorragie intraventriculaire, stade 3 ou 4, leucomalacie périventriculaire, le côté digestif, l'entérocolite ulcère nécrosant grave, ou le côté respiratoire, les dysplasies bronchopulmonaires majeures. La deuxième groupe, c'est le nouveau-né à terme, présentant encéphalopathie anoxique avec un prognostic très péjoratif. Et troisième groupe, le nouveau-né porteur d'une ou plusieurs malformations dont le traitement est jugé impossible ou déraisonnable. Et il y a aussi un groupe de grands prématurés où on peut parler de soins palliatifs déjà à la salle de naissance. Là aussi, nous, on a créé le procédé concernant le mère et le nouveau-né en cas de naissance d'extrême prématuré, c'est-à-dire les prématurés qui naissent avant 26 semaines d'âge gestationnel. On propose le soin palliatif à nouveau-né né à 22 ou 23 semaines de vie, mais ce qui est
important. On ne juge jamais uniquement sur le âge gestationnel, mais on compte aussi sur le facteur qui améliore le pronostic ou le facteur aggravant le pronostic. Alors, bien sûr, la décision n'est jamais faite avant la naissance. On discute seulement avec les parents quels sont les facteurs qui peuvent améliorer le pronostic ou aggraver le pronostic. Mais bien sûr, dans ce facteur qui améliore le pronostic, il y a pas mal de choses qu'on peut juger uniquement après la naissance. Par exemple, quel est le vrai poids de naissance, dans quel état l'enfant est né, quel est par exemple, est-ce qu'il y a, quel est le pouls, et bien sûr, après, quelle est la pH après la naissance. Alors, après tout ça, je vais vous présenter notre premier cas, notre première expérience personnelle dans l'utilisation de NIPE dans le soin palliatif. Alors, quelques mots sur quel enfant on a décidé de le mettre. Pardon. Voilà, le déroulement de grossesse et de l'accouchement, c'était la mère de troisième geste, troisième part, avec la grossesse gemellaire. Le déroulement de la grossesse commençait à être compliqué dès la 22 semaines d'âge gestationnel par l'insuffisance cervicale de la mère. La mère était hospitalisée dans notre institut. On a découvert infection urinaire. Alors, la mère était mise sur antibiotico-thérapie. Lors de 24e et 26e semaine gestationnelle, la mère a reçu un cours de corticothérapie. L'accouchement finalement a eu lieu à 27 semaines plus 2 jours par césarienne à cause de deux césariennes qu'elle a eues avant. Le nouveau-né naît comme deuxième jumeau avec Apgar 6-7, avec pH au cordon correct 7,4 et base excess moins 0,2. Et le poids de naissance de cette bébé était 1160. Finalement, les 3 premiers jours de vie est bien passé. L'enfant était intubé à 8 minutes de vie. Il reçoit le Curoserf à 1 heure de vie, qui a dû donner la possibilité de réduction très importante des paramètres ventilatoires. Sur le radio pulmonaire, on a trouvé maladie membrane hyaline deuxième degré. Pardon. L'enfant a eu l'infusion circulatoire pas très importante. Il est tenu par quelques heures sur Dobudopa, maximum 10 gamma kilo minute. Dans échocardiogramme à troisième jour de vie, le canal artériel était déjà fermé. Échographie transfrontalinaire à 2 jours de vie était sans particularité avec RU à 0,69. L'enfant a reçu l'antibiotico-thérapie empirique angina et le colostrum sur la muqueuse faciale. Alors, on a pensé qu'on passe quand même le jour sans problème, tout va se dérouler bien. Malheureusement, le 4e jour arrive et tout à coup, l'enfant a une l'hémorragie pulmonaire massive avec acidose respiratoire importante. L'hémorragie nous a demandé de faire la transfusion, plusieurs transfusions de masse erythropoïtaire et plaquettes. L'enfant s'est mis en insuffisance circulatoire très importante avec Dobudopa, Levonor, hydrocortisone pour avoir les tensions correctes. On a trouvé l'augmentation de CRP globules blancs. On a mis l'enfant sur Meronem et vancomycine. Et malheureusement, à l'échographie transfrontalinaire à 4 jours de vie, on a découvert une hémorragie stade 4 massif à droite. En plus de ça, à 6e jour de vie, les convulsions de 4 membres étaient présentées sans réponse au traitement standard. On a dû le mettre sur thiopental pour qu'il ne convulse pas. Et malgré tous ces traitements, l'enfant s'est mis en oliguri et puis en
la nourrit. Alors, voilà l'échographie transfrontalière de quatrième jour de vie qui montre alors cette hémorragie stade 4 à droite massif. Alors, visant tout ça, on a décidé de discuter de mettre cet enfant sous le soin palliatif. Comment on le fait? Alors, on se voit tous pour discuter avec le chef de service, avec tout le corps médical, alors le médecin traitant, tout le médecin qui travaille dans le service. On demande aussi l'infirmière ou celle qui s'occupe de l'enfant, ou chef d'infirmière qui nous parle comment les infirmières voient la situation. Et bien sûr, la décision a été prise par le corps médical, signée par le chef de service, mais la discussion est toujours ouverte pour tout le monde. Si on a les problèmes difficiles, par exemple, des côtés neurologiques, on demande le neurologue. Si c'est les problèmes cardiologiques, on demande en plus le cardiologue. Ici, pour nous, le cas était facile, si je peux dire, le côté neurologique, typique, malheureusement, de cette hémorragie stade 4, massif, qu'on sait très bien que le pronostic vital pour cet enfant est très pauvre. Alors finalement, on a décidé de commencer, bien sûr, après la discussion avec les parents, je vais parler. On a décidé alors de arrêter les catécholamines, de ne pas passer le globulaire, de ne pas bien sûr réanimer l'enfant s'il a une arrêt cardio-respiratoire. On a laissé uniquement l'antibiotico-thérapie, l'alimentation parentérale de base, on a baissé la ventilation en ventilation minimale et on a ajouté en plus de thiopental le morphinique. On a fait tout ça après une longue discussion avec les parents. C'est les parents qui étaient très présents dans le service, qui ont vu tout ça, ce qui s'est passé. Assez vite, ils ont compris que l'état de l'enfant s'aggrave très vite et que finalement, le futur pour cet enfant est très, très grave. Alors, ils ont accepté finalement notre décision. Et comme souvent, comme je vous avais dit, la première phrase quand on a fini, explication comment ça va se présenter cette soin palliatif, les parents d'un côté demandaient de baptiser l'enfant, ils ont demandé de rester maximum si on peut de donner l'enfant sur leurs bras. Et une phrase qu'ils ont dit, est-ce que vous êtes sûr, faites tout pour que les enfants ne souffrent pas. Et c'est dans ces conditions-là, quand on a vu que les parents ont tout compris, ils étaient très proches avec nous et avec les parents, avec l'enfant, on a décidé de discuter avec eux. Que existe cet appareil NIPE, qu'on ne connaît pas encore dans les situations comme ça, qu'on n'a jamais utilisé, mais qu'on veut essayer d'utiliser avec eux. Alors, on a bien sûr expliqué en gros comment cet appareil marche, comment on mesure, qu'est-ce qu'on mesure et quels chiffres sont importants. Et les parents étaient absolument d'accord de le faire. Et finalement, ils ont bien participé aussi. Les discussions, comment on utilise, et qu'est-ce qu'on lit. Alors, les choses dont je veux souligner, ce sont deux pour moi très importants pour vous montrer, parce que bien sûr, la question que je me suis posée, est-ce que finalement, au moment où l'enfant va commencer à avoir la saturation basse et le cœur va baisser, jusqu'à quel moment on pourra avoir quand même le signe de NIPE bon pour être sûr qu'il mesure ce qu'il faut. Et comme vous voyez ici, dobre en polonais, c'est bon en français, alors pratiquement, tout le temps de soins palliatifs qu'on a fait, le NIPE était, le signe de NIPE était toujours bon.
Bien sûr, ici, ce n'est pas vraiment le chiffre qui nous a intéressé si on dépasse 50 ou 60. Bien sûr, on a dépassé parce qu'on a utilisé les doses de morphine suffisamment pour que les enfants ne souffrent pas. Et on a en même temps mesuré, bien sûr, l'échelle de douleur. La deuxième chose que je veux vous montrer, c'est ces signes rouges-là. Ce n'était pas la douleur parce que quand on a regardé comment l'enfant se présentait et quand on a compté le score de douleur, c'était le moment, par exemple, où on a mis l'enfant sur le bras des parents ou on a changé la couche. Alors, c'était pas ce signe-là, c'était pas le signe de douleur. Et la deuxième chose que je vais vous montrer, c'est cette trace qu'on a eu la possibilité, bien sûr, de mesurer jusqu'au bout. Alors, vous voyez, on a commencé le soin palliatif à 11h13. L'enfant meurt à 15h06 et jusqu'au 15h03. On a eu très bon signal jusqu'au bout d'un côté du cœur. D'autre côté, vous voyez en jaune, c'est la moyenne de NIPE pendant tout le temps de soins palliatifs. Alors, il était entre 80 et 60. Alors, c'est quelques signes, comme vous voyez, au-dessous de 40. Comme je vous avais dit, ce n'était pas vraiment le signe de douleur, mais le signe de soins des enfants. Alors, comme finalement, comment on conclut cette première utilisation de cet appareil dans le soin palliatif? On trouve que c'est une l'évaluation supplémentaire du confort de la douleur de nouveau-né, très important psychologique pour les parents de l'enfant, soutien de travail des médecins et des infirmières. Et je trouve que aussi du côté de la loi, la chose qui est très importante, en cas de nécessité d'augmentation de doses de médicaments analgésiques qui dépassent des doses standards, on peut obtenir le preuve de besoin des patients traités et pas dit qu'on a voulu, par exemple, faire mourir cet enfant plus vite en augmentation les morphiniques. Comment les parents ont pris tout ça? Bien sûr, c'était très, très difficile pour eux, la mère de l'enfant. Mais moi, j'ai vu ses parents 2 mois après parce que je les vois toujours pour discuter quand l'enfant a eu l'autopsie après. Alors, on discute, est-ce que dans l'autopsie, on a trouvé quelque chose en plus par rapport à ce qu'on a vu pendant la vie de cet enfant. Alors, j'ai rediscuté avec eux comment ils ont pris l'utilisation de NIPE pendant ce temps et ils ont trouvé ça très très important. C'était le soulagement pour les parents qu'ils ont pu voir en plus, non seulement voir les enfants, mais ils ont eu quand même une supplémentaire en plus qui souligne que leur enfant n'est pas souffert pendant sa mort. Alors, à la fin, quand je vais donner après les paroles à Pavel, bien sûr, je trouve qu'il faut non seulement évaluer la douleur, mais le prévenir. Alors, bien sûr, n'oublions pas de tendresse, de soins, de mettre l'enfant. Ça, c'est une de nos premières enfants de 23 semaines et 2 jours qu'il était sous CPAP. Et c'était le troisième jour de sa vie qu'on a pu déjà mettre l'enfant pas à pas avec sa mère. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Pour finir mon topo, je trouvais cette phrase de Paul Ricoeur que j'aime beaucoup, qui parle d'un côté de la solitude et d'autre côté cette présence des parents au moment de la mère de l'enfant. C'est peut-être là la preuve suprême de la sollicitude, qui l'inégalité de puissance vienne à être compensée par une authentique réciprocité de l'échange, laquelle, à l'ère de l'agonie, se réfugie dans le murmure partagé de voix ou l'entraîne débile de mains qui se serrent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Magdalena, pour cette présentation et toute la sensibilité que tu mets aussi dans l'exploration de la qualité de vie de ces petits bébés.
Je propose donc du coup qu'on passe la parole à Pavel maintenant. Oui, d'accord. Merci. Parfait. Et bon, ça y est, ça y est. Bon, bonjour tout le monde. Premièrement, je voudrais bien vous excuser pour le niveau de mon français et surtout la prononciation. Et bon, pour commencer, je voudrais bien vous décrire quelques intérêts de l'utilisation NIPE en kinésithérapie, surtout dans le domaine de soins du développement. Et tous les domaines psychomotrices qu'on exécute dans le milieu clinique. Et au début, quelques évidences, quelques données qui sont évidentes déjà. Et on sait bien que toutes les premières expériences changent les caractéristiques fonctionnelles et la structure du cerveau. Mais toujours, on se demande quel rôle joue la qualité dans ces phénomènes, la qualité des procédures médicales, de thérapie, de traitement, de soins. Et comment c'est là, comment tous ces procédures affecte à l'auto-organisation, l'auto-régulation biologique, tous les processus cognitifs, le comportement, la maturation et toutes les compétences fonctionnelles. Et il y a pas mal d'hypothèses, entre autres tout ce qui est vraiment évident, que le processus de la naissance prématurée, conditions toxiques de l'environnement, tous les extrêmement non physiologiques, c'est-à-dire l'hospitalisation à long terme, isolement de la famille, etc., 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 a un effet dramatique sur le processus de maturation et de développement de l'enfant lorsqu'il n'a pratiquement aucun mécanisme de défense. C'est le plus important dans notre travail que nous, travaillons avec un enfant vraiment sans aucun mécanisme de défense. Et tout ça provoque plein de perturbations de déroulement du développement ou les évolutions de troubles graves du développement. Et pas seulement à cause de la lésion, pas seulement à cause de tous les dysfonctions, mais, ventilation, etc., mais aussi bien en raison de la toxicité de l'environnement de NUCU et de la qualité des activités médicales, des actes médicaux qui sont insuffisantes et, disons, de temps en temps, on peut dire mauvaises. Pour un enfant, bien sûr. Et vous connaissez bien ces études, EpiPine 1 et 2. Et je voudrais bien souligner le niveau de neurotoxicité, de la sédation et de l'analgésie. Et toutes ces données, toutes ces recherches nous poussent à trouver, à chercher la façon de intervention non pharmacologique, plutôt thérapeutique ou n'importe laquelle. Et on va parler de ces problèmes après. Et il faut revenir aussi pour l'instant, pour quelques minutes, à la pratique clinique. Et il faut le dire que tous les tentatives qui sont prises pour neutraliser l'influence toxique du traitement et du processus d'hospitalisation sont déjà entreprises, mais toujours, il reste imparfait, insuffisant, accidentiel et en plus trop subjectif. Il faut le dire aussi qu'aucun système ne contient une gamme complète
c'est-à-dire suffisante, de solutions possibles. Ça provoque plein de problèmes, entre autres l'absence des procédures uniformes et normalisées qui provoque, c'est ce qu'on dit en Pologne, freestyle, et aussi bien aucun ou pas, au moins pas beaucoup de possibilités de valider des procédures du soin, des thérapies, surtout la thérapie, et qui peut provoquer des activités faux. Un moment. Voilà. C'est là, nous, c'est-à-dire, on se demande. Excuse-moi, il y a plusieurs questions qu'il faut poser dans ce moment. Et est-ce que toutes les actions pharmacologiques, c'est-à-dire analgésie et sédation, sont les seules qui neutralisent les effets toxiques sur le processus de maturation de la qualité du développement de l'enfant? Et toutes les approches qui on nomme douces, c'est-à-dire la tendresse de nos gestes, etc., etc., sont celles suffisantes au niveau de la qualité du technique. Et c'est ce qu'on a déjà dit, qui peut influer dans la façon du bien, bonne façon, sur le processus de maturation et qualité de développement. Et si on sait bien que le système déjà connu dispose, si tous les systèmes qu'on connaît, par exemple NIDCAP ou n'importe lequel système qui est déjà entraîné, dispose des ressources suffisantes, des ressources et des outils suffisants. Et la réponse est non. C'est-à-dire que nous avons besoin de trouver, entraîner les outils appropriés pour l'observation, l'évaluation des techniques de mise en œuvre, les modèles relationnels, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'il faut le plus rapidement possible valider, normaliser aussi bien les stratégies, les techniques, les procédures de traitement, de la thérapie, n'importe lesquels, respiratoire, neurodéveloppemental, psychomoteur, nourriture, l'alimentation, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, vous connaissez bien toutes les techniques d'évaluation du niveau de stress et douleur basées sur l'analyse des paramètres comportementaux. Et on le sait bien, certains sont validés, standardisés dans plusieurs pays, les autres non. Mais vous les connaissez bien, mais il faut le dire aussi que il y a des problèmes avec cette approche parce que toutes les échelles basées sur l'analyse comportementale n'inclut pas certaines notions qui sont essentielles dans l'analyse et traitement du développement psychomoteur d'un enfant. C'est-à-dire, il ne donne pas des réponses sur la degré de maturité des propres mécanismes d'adaptation individuels qui permettent de neutraliser du stress et de la douleur. Il nous donne pas de réponse sur l'évolution des mécanismes en temps réel et dans le temps plus longue période. Il nous donne pas des réponses sur le niveau de toxicité de l'environnement et surtout de l'organisation de travail de l'équipe. Et à la fin, il ne nous donne pas des réponses sur qualité et exécution des procédures médicales et infirmières. Et
et surtout sur ma domaine à moi, c'est-à-dire des thérapies à chaque niveau. Et ces techniques basées sur l'analyse de paramètres comportementaux ont ses limites, c'est-à-dire c'est très individuel, subjectif, sentir et neutraliser la douleur et le stress chez les adultes, et c'est plus évident et plus compliqué chez les nouveau-nés. Et l'étude de la douleur et du stress, c'est une procédure extrêmement subjective, vous le connaissez très bien, et il y a plein de restrictions autour de ça. Et cela provoque des controverses concernant les échelles d'évaluation du stress et de la douleur fondées sur l'évaluation de l'état de l'utilisation des stratégies non pharmacologiques pour réduire le stress. Et c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on demande de utilisation de NIPE, c'est-à-dire toutes les techniques basées sur la surveillance du niveau d'analgésie optimale en temps réel. Et c'est la possibilité de surveiller objectivement, les niveaux de la douleur et du stress en temps réel, avec la possibilité de suivre l'évolution de la réaction de l'enfant à long terme. Une référence, ça donne aussi des références précises au nombre et à la qualité, surtout la qualité des procédures et des expériences d'un enfant auquel d'un enfant de bien-être. Et il faut aussi souligner que NIPE, c'est une option, un outil supplémentaire. Est-ce qu'il est parfait? Non. Mais disons, c'est-à-dire, il faut le dire que dans la pratique clinique, nous ne disposons pas des outils parfaits. Alors, c'est pour ça, c'est pas la raison de ne pas utiliser l'appareil parfait à tel point qu'il est. C'est-à-dire l'appareil NIPE. Selon notre expérience, l'utilisation NIPE pendant tous les actes médicaux, aussi bien pendant tous les actes thérapeutiques ou tous les actes du soin comportemental, réduire les erreurs d'une évaluation subjective des spécialistes et réduit aussi actes faux, c'est ce qu'on a dit déjà. Pour nous, à vrai dire, c'est une révolution dans les soins médicaux. Et c'est ce qu'on demande, pour finir cette partie, c'est ce qu'on demande de NIPE. C'est la possibilité de la contrôle de la qualité des soins, de la qualité de la thérapie. Il nous donne, ou on expecte qu'il nous donne la réponse sur l'efficacité versus toxicité des procédures médicales. Aussi bien c'est plus important pour les thérapeutes neurodéveloppementaux et pour les psychologues, c'est la réponse sur le niveau de maturation d'un enfant et la reconnaissance de l'évaluation des mécanismes de l'auto-organisation biologique, c'est-à-dire physiologique, auto-régulation, c'est-à-dire self-regulation, co-régulation qui est essentiel au niveau des relations entre mère et un enfant, parent et enfant, et aussi bien que mécanisme d'adaptation d'un enfant. Ouais. Et à la fin,
cette partie, l'avantage supplémentaire, c'est l'évaluation des codifications des échelles d'évaluation des stress et de l'inconfort qui sont bien connues, basées sur les paramètres comportementaux déterminant le niveau de sentiment de la douleur et du stress dans l'enfant. Et je voudrais bien vous montrer quelques notions essentielles, c'est-à-dire par exemple période critique pour le développement des compétences fonctionnelles, entre autres ce que vous voyez ici, des compétences alimentaires. Vous avez au-dessous des références de ces recherches, et période critique, c'est ce qu'on nous appelle le période d'organisation des troubles alimentaires, et c'est-à-dire le période d'organisation et régulation des compétences fonctionnelles. C'est le période qui nous apporte la menace de la réussite de l'allaitement maternel. Et si vous pouvez regarder à gauche, pour les enfants nés à l'âge 28 semaines, le période de maturité biologique et neuromotrice pour allaitement ou maternel ou alimenté et pour alimentation par la bouche, c'est entre 32 et 35 semaines. Et, tandis que l'autonomie fonctionnelle, c'est-à-dire la période quand un enfant est vraiment autonome au niveau de la qualité de la fonction, c'est pour ces groupes des enfants, c'est toujours 38,4, entre 38,4 et 39,6. Pour les enfants nés entre 28 et 32,6 semaines, ces périodes d'autonomie fonctionnelle, c'est 37,4 et aussi bien pour les enfants nés entre 32,6 et 33 semaines, le période d'autonomie fonctionnelle, le moment d'autonomie fonctionnelle, c'est 36,2 semaines. Il faut le dire que c'est aussi important pour tous les genre de fonction, et chaque fonction, chaque compétence fonctionnelle possède ses périodes critiques et périodes sensibles. Et je voudrais bien vous montrer aussi les facteurs qui associés mais au développement de allaitement maternel. Et disons, c'est évident, mais voilà, je vous présente les données, les recherches qui nous montrent précisément comment ça influe sur le processus du développement de cette compétence. Par exemple, c'est ce qui influe le plus, c'est la semaine de la naissance. Et ici, je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que c'est visible? Oui, c'est visible. Pour les enfants qui sont nés à plus ou moins 22 semaines, la fin de l'alimentation entérale, c'est plus ou moins ici. C'est entre autres entre 28 et 30 semaines, pardonnez-moi, c'est ici, 32, 33 semaines, le start, c'est-à-dire on commence à alimenter, le commencement de l'allaitement maternel, c'est plus ou moins 36, 37 semaines, et l'autonomie fonctionnelle dans ce domaine, c'est quand même 43,5 semaines. C'est la même chose avec dysplasie bronchopulmonaire.
Voilà, c'est la ligne des enfants avec sévère dysplasie bronchopulmonaire. Et regardez la différence entre la semaine, l'âge de l'autonomie fonctionnelle des enfants sans dysplasie bronchopulmonaire versus des enfants l'âge de l'autonomie fonctionnelle des enfants avec dysplasie bronchopulmonaire sévère. La même chose, on peut présenter pour le hémorragie et le coma lacie. La même chose, je vous laisse analyser ces diapos après. Avec nécrosis corticolitis et ductus arteriosis. Et un moment. À la fin, je voudrais bien vous présenter ce qu'on regarde sur la sur le moniteur de NIPE. C'est ce qu'on demande de moniteur de NIPE si on dit de la qualité de nos procédures, de nos actes médicaux, des thérapies et de soins du comportemental. Et je voudrais bien vous présenter le deux cas qui nous montrent l'intervention pharmacologique versus le 3 suivant diapo qui nous montre l'intervention, l'effet de l'intervention non pharmacologique. Alors, on commence, si vous vous rappelez bien, on commence de niveau, c'est-à-dire c'est la ligne de tendance, c'est-à-dire la tendance de qui nous montre le sentiment de stress, de la douleur d'un enfant. Et ici, nous avons le niveau qui dépasse les limites, c'est-à-dire cet enfant est trop toxicité, excuse-moi, c'est-à-dire la dose de médicaments était trop élevée parce que la ligne de tendance dépassait beaucoup la limite 60 points qui est déjà trop élevée. Et pendant le temps, à cause de plusieurs chutes, plusieurs crises qui sont provoquées par les actions médicaux, par les gestes médicaux, la tendance baisse au niveau qui est vraiment acceptif, mais après le soin, le médecin a décidé de ajouter une petite dose de médicaments et regarder le résultat. Tout après, un quart d'heure après, la ligne de tendance monte énormément jusqu'à le niveau qui est vraiment incorrect, qui nous montre que un enfant vraiment est un peu trop cédé. Et pourtant, ces niveaux restent à tel niveau, pas très longtemps, et à cause de plusieurs actes médicaux suivants, cette ligne, cette tendance baisse énormément. Pendant la période quand l'enfant n'est pas, c'est-à-dire quand on n'exécute pas aucun geste médical, la tendance reste
sur le plus ou moins 70. Et après, après acte suivant, elle baisse complètement, toujours sur le niveau qui est acceptable. Et maintenant, l'autre événement, c'est-à-dire c'est le moniteur Naipe pendant le premier période du matin, vous voyez entre 6h30 et 7h30, plus ou moins, c'est une période de plusieurs actes médicaux exécutés en face d'un enfant. Et dès qu'on constatait que la tendance baisse énormément au niveau vraiment inacceptable, on a décidé d'intervenir avec le cocon, avec le changement de cocon, avec le changement de la position, avec des techniques anti-tubobat qu'on exécute pendant, qu'on utilise pendant toutes les pratiques comportementales, c'est-à-dire tous les soins comportementaux. Et regardez bien, la tendance sans médicaments, sans pharmacologie, monte très visiblement, mais surtout grâce au changement de conditions d'un enfant. Et ce sont les derniers diapos, excusez-moi. Et voilà. Et il faut le dire pour finir. Il faut. Je voudrais bien vous montrer tout ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire ces périodes de l'utilisation de toutes les techniques qui neutralisent le stress et la douleur, qui vient des techniques et tous les autres qu'on peut utiliser aussi dans la clinique. Même si on survit de petites crises provoquées par les autres, par exemple, Havas, c'est ça? Havas, Magda? Havas? Ah bon, excusez-moi. Par exemple, par le bruit, la tendance monte. Et ici, plus ou moins ici, c'est-à-dire à 8h20, c'est-à-dire que cette intervention durait pendant une demi-heure. 8h20, on a fini cette intervention et toujours la tendance monte jusqu'à un moment où les actes médicaux suivantes sont entraînés. Et la tendance monte basse énormément jusqu'à un moment où ces actes médicaux ont fini. Et regardez cette ligne, ce sont le propre mécanisme adaptatif d'un enfant qui permet lui obtenir le niveau de neutralisation du stress et d'inconfort acceptable, excuse-moi. Pour les conclusions, pour finir, le soutien de NIPE permet de perfectionner des techniques, des stratégies, des procédures de traitement, des soins, des stimulations, ainsi que de la thérapie. Il est nécessaire d'améliorer avec le soutien de NIPE et aussi Annie, c'est-à-dire que NIPE c'est pour les enfants, c'est évident. Annie c'est pour les parents, c'est-à-dire les mères et les pères. C'est-à-dire, il est nécessaire d'améliorer
avec le soutien de Naip et Annie, des techniques d'évaluation du niveau du stress de l'heure basées sur l'analyse des paramètres comportementaux, ainsi que le valider et normaliser ensemble afin qu'il puisse être utilisé sans prise en charge Naip dans les autres cliniques. Et merci encore une fois pour votre attention. Et je passe la parole à Monsieur Brissot. Merci beaucoup, Pavel. Merci beaucoup pour avoir pris d'une certaine manière le contre-pied, c'est-à-dire l'utilisation d'une IP pour surveiller finalement, dans certaines situations, l'excès d'utilisation de sédation ou d'analgésie. Et ça, c'est effectivement un point que nous n'avions pas abordé avant, qui est très, très intéressant. Le fait de monitorer aussi l'excès de ce qu'on pourrait imaginer de confort, mais qui peut-être va gêner le patient dans ses capacités et ses compétences. C'est très, très intéressant. J'avais répondu un peu au fil de l'eau à certaines questions qui avaient été envoyées par les gens qui écoutaient la présentation, mais on peut continuer à recevoir des questions si les gens veulent le faire. Pour les questions qui avaient été posées, parmi les questions, il y avait est-ce que on peut utiliser le Dexdor ? C'était intéressant comme question. Cet agoniste alpha qui est utilisé en analgésie, hein, qui est un cousin du catapressant, est-ce qu'on peut l'utiliser avec le NIP puisque finalement ça modifie la fréquence cardiaque, ça diminue la fréquence cardiaque et ça diminue la pression artérielle. Alors bon, il n'y a pas beaucoup d'évidence de médecine pour la néonatologie et la pédiatrie. Ce que je répondais à Elisa qui a posé cette question, c'était que je pense qu'il faut considérer le patient comme son propre témoin, donc ça peut être intéressant malgré tout d'utiliser le NIP à condition qu'on suive l'évolution du NIP pour ce même patient. C'est difficile de comparer les patients entre eux. Et que ce qu'on peut retrouver dans la littérature, c'est très peu d'études explorant spécifiquement ce champ-là. Il y a un poster qui avait été présenté à la Société de réanimation en Belgique en 2011, où justement, ils avaient exploré le système nerveux autonome dans les hautes fréquences, justement. Et ils avaient montré que la fréquence cardiaque diminuait chez les patients qui étaient analgésiés par Dexdor, mais que les variabilités en haute et basse fréquence n'étaient pas tellement impactées. Donc, bon, ceci dit, c'est pas très puissant comme étude. Il y a une autre question qui avait été posée sur le fait que, mais finalement, peut-on à tous les coups être sûr qu'un enfant, un nouveau-né qui est en dessous de 50, il est forcément douloureux? C'est une vraie question sur la variabilité inter-individuelle des patients et que forcément, dans une courbe de Gauss, j'expliquais qu'il y avait des extrêmes et que dans les extrêmes, quand on calcule finalement sur une courbe ROC la valeur seuil de 50 pour le NIP, si ça correspond bien, on a toujours une sensibilité, une spécificité et donc un certain nombre de patients qui vont échapper obligatoirement à cette règle, c'est sûr. Et c'est là où il faut être en capacité aussi d'associer le NIP au bon sens clinique et à l'observation des patients. Voilà, un enfant qui a 45 et qui est évidemment pas curarisé, mais qui dort comme un loir et qui est très très bien et qui, à l'évidence, est confortable. Bon, il faut se poser la question de la mesure chez cet enfant-là spécifiquement. Mais ça remet pas en question quand même la valeur seuil, je crois pas. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La même, je pense que il y a aussi la question de l'autre côté. Est-ce que, par exemple, 60, il faut toujours baisser, ou 70, il faut toujours baisser les médicaments. De temps en temps, on aille monte 70 et on trouve quand même que l'enfant a un confort. Alors nous, on se dit, on ne veut pas uniquement juger sur une IP, mais bien sûr voir des côtés cliniques. Alors, il y a une question qui est posée par David qui dit est-ce qu'il pourrait y avoir des critères d'exclusion de l'utilisation d'une IP en néonatologie ou en réanimation néonatale ou pédiatrique chez les enfants qui sont opérés de cardiopathie congénitale
Il dit, est-ce que finalement, seulement ceux qui sont atteints de dysrythmie pourraient être exclus par la surveillance d'une AIP? Alors, j'ai pas l'expérience des cardiopathies congénitales spécifiquement parce que notre service à Bordeaux n'utilise pas, n'opère pas les enfants, ne reçoit pas les enfants en post-opératoire. Donc, je sais pas si Pavel et Magdalena ont cette expérience-là. En tout cas, je peux me renseigner sur comment font les médecins qui accompagnent les postes chirurgicaux de cardiopathie congénitale à Bordeaux. Mais j'ai pas cette réponse. Je sais pas si Magdalena et Pavel, vous avez. Non, malheureusement, chez nous, c'est pareil. Nous, on n'est pas, notre l'institut s'occupe de toutes les malformations, sauf malformations cardiaques. Mais je sais qu'il y avait cette grande question, la longue discussion avec le grand centre à Varsovie qui s'occupe beaucoup de cardiopathie et le professeur qui l'opère depuis les années, il n'était pas chaud du tout d'utiliser NIPE dans les malformations cardiaques. Il trouve que ça peut pas marcher. Alors il n'était pas sûr du tout. Il y a deux éléments qui sont un peu empêchants pour le NIPE. C'est finalement les deux conditions du NIPE, c'est-à-dire d'un côté le rythme cardiaque et son altération importante liée à la dysrythmie, et puis de l'autre côté ce qu'on pourrait imaginer comme étant une altération du système nerveux autonome qui empêcherait d'être juste dans la mesure. Parce qu'une question a été posée sur les hémorragies intracérébrales des nouveau-nés. C'est vrai que dès qu'on se pose la question de problèmes neurochirurgicaux ou neurologiques qui pourraient impacter le contrôle du système nerveux autonome sur la régulation de la variabilité de la fréquence cardiaque, on pourrait s'interroger sur la pertinence d'une AIP. Il y a d'autres situations. On essaye de mettre en place à Bordeaux, par exemple, une étude sur l'utilisation d'une AIP chez les enfants autistes. Parce qu'on se dit, est-ce qu'il y a une régulation différente? On se pose la question de la pertinence ou de la véracité du chiffre mesuré chez des enfants dont on pourrait imaginer que la régulation du système nerveux autonome est défaillante. Et on n'a pas la réponse à cette question. Mais voilà une question de plus. Exactement. Est-ce qu'Ignacio, vous aviez reçu d'autres questions dans l'intervalle ou pas? On voit passer toutes les questions. Non, toutes les questions, elles sont là, dans les commentaires. Je pense que vous savez faire la réponse correcte à toutes ces questions. Il n'y a pas plus. D'accord, mais pour David, je regarderai quand même, j'interrogerai nos collègues cardiopédiatres sur leur, est-ce qu'ils l'utilisent ou pas, comment ils l'utilisent et quelles sont leurs limites. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Ok. Ah, si. Asirina qui écrit quelque chose. D'accord. On va dire peut-être que c'est la dernière question, puis après on fait une conclusion. On est suspendu. Alors, non, c'est pas exactement ce que je veux dire. Ce que je veux dire juste, c'est que spécifiquement chez ce type d'enfant où on a un doute, je pense qu'il faut être attentif à utiliser en plus d'une AIP peut-être une autre échelle comportementale. Et si effectivement pour ce patient-là, on a une correspondance très claire entre l'échelle comportementale et le AIP, alors on peut s'affranchir peut-être de l'échelle comportementale répétée 4 ou 6 fois dans la journée. Mais ça nécessite quand même d'être attentif au fait que le chiffre est altéré par la commande neurologique. C'est juste ça que je voulais dire. Merci Pierre. Ok. Bon, je vous propose qu'on fasse une conclusion. Je remercie chaleureusement avant tout Magdalena et Pavel pour leur intervention. Évidemment aussi toute l'équipe de M. Doloris, je renvoie encore mes amitiés à Ignacio et à Jean-Yves.
Ces trois aspects qui ont été montrés aujourd'hui, je trouve qu'ils sont très intéressants, réellement. J'ai été très, très passionné par ce que Magdalena a pu dire sur l'intérêt d'une AIP dans l'accompagnement des parents pour être sûr que l'enfant n'avait pas mal. Et je trouve que c'est un garde-fou supplémentaire, à la fois une sécurité pour les parents, mais aussi pour nous, pour ne pas glisser de temps en temps, effectivement, dans des excès thérapeutiques. L'éthique chez nous, en France en tout cas, elle est très claire sur le fait qu'on a des règles à respecter et qu'on doit s'assurer du confort de l'enfant et être loyal vis-à-vis de ça. Et donc, oui, interrogeons-nous sur l'augmentation massive des analgésiques et des sédatifs quand on a, par exemple, un IP qui est déjà à 70 ou 80. Est-ce que c'est licite ou pas? Et qu'est-ce qu'on a comme arrière-pensée aussi par rapport à ça? Je pense que c'est très, très intéressant. Ça questionne aussi notre travail d'un point de vue éthique. Et puis, l'autre, en tout cas, ça doit participer ça doit nous aider à être meilleurs. Et puis, ce qu'a dit Pavel sur l'excès aussi dans les situations de prise en charge classique, effectivement, on a un risque réel d'impacter le développement cognitif, comportemental, en utilisant trop d'analgésiques. Et on sait que la douleur n'est pas bonne pour le développement neurocognitif. Ne nous trompons pas, l'excès aussi de neurosédation est sans doute pas très bon. Et donc, on a là un outil qui est très complet pour nous aider à être meilleurs. Donc, je crois qu'on a fait un peu le tour de ça. Je ne sais pas si Magdalena et Pavel vouliez rajouter quelque chose. Mais je voudrais vous remercier pour votre super topo parce que je trouve qu'il était vraiment très très bien dit d'un côté montré les côtés de NIP et des côtés d'expérience théorique et pratique. En théorie, c'était rare de montrer cette théorie qui est difficile en pratique. Alors je ne sais pas si on peut utiliser quelques de vos diapos pour montrer aux gens quand on parle qu'est-ce que ça veut dire NIP du côté cardiaque, etc. Parce que c'est pas facile à parler. Vous avez fait les diapos superbes. Alors, vraiment, grand merci. Vraiment, on est très, très contente d'être avec vous tous. Je vois aussi qu'il y a les gens que nous, on connaît avec Pavel, parce qu'on a travaillé ensemble. Moi, j'ai travaillé presque 3 ans à Clamart dans l'équipe de M. Gabilan et M. Dehan il y a déjà 30 ans. Je vois qu'il y a des gens aussi qui étaient à cette époque dans le service. Alors, toutes mes amitiés à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces soirées. Ignacio, le petit mot de la fin peut-être? Merci beaucoup. Je veux dire que je suis très enthousiasmé avec tous les attendez et la présentation que vous avez faite. Je pense que c'est une technologie qui va ouvrir le jeu à beaucoup de personnes pour aider les petits enfants. Merci. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous pour avoir été aussi nombreux ce soir. Et puis, on est disponible si vous avez des questions par mail, soit directement, soit en passant par Ignacio. N'hésitez pas à revenir vers nous. On était ravis d'être là. D'accord. Merci beaucoup. Et on reste en contact, Olivier. Ça marche. On reste en contact avec plaisir, Pavel et Magdalena. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.